Salut, dans cette vidéo, nous allons voir comment annuler une commande sur Jumia. Alors, faire ceci est très facile. Premièrement, vous devez vous rendre sur l'application de Jumia ou sur la plateforme de Jumia. Dans notre cas, nous sommes sur la plateforme en ligne. Et sur cette plateforme, ce que vous allez faire, c'est tout simplement venir cliquer sur les trois traits visibles en haut à gauche de vos écrans. Ensuite, là, vous allez voir ces différentes options. Et ces options, si vous allez cliquer ici sur vos commandes. Alors, dans notre cas, nous n'avons pas de commande actuellement. Et ce que vous allez faire en cliquant dessus, vous allez arriver, vous allez pouvoir apercevoir vos différentes commandes que vous avez passées sur la plateforme Jumia. Et à ce niveau, pour annuler votre commande, ce que vous allez faire, c'est cliquer sur le voir plus qui sera à droite de votre commande. Et parmi les différentes options qui vont s'afficher, vous allez voir l'option supprimer. Alors, en faisant ceci, vous aurez annulé votre commande. Alors, il existe dans certains cas là où la commande ne peut pas être annulée de cette façon. Dans le cas où la commande a déjà commencé à être livrée, dans le sens où on commence déjà à venir vous livrer. Et dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement appeler le service client de Jumia pour pouvoir trouver une solution à cela qui vous aide à pouvoir annuler votre commande. Alors, c'est tout pour cette vidéo et merci.